Dans un instant... Thelma et Louise. Oh, zut. Les demoiselles de Rochefort. Oh, mais arrête, José! J'ai pas envie que tu donnes un nom de film à mes seins, là. Quoi, c'est tout? Oh, allez, c'est marrant. Je vois pas ce qui est marrant. Hein. Les bronzés. Titi et Grosvinet. Mais arrête! Bonnie and Clyde. Oh, Titi, va t'arrêter, hein, crotte! Sarsky et Hutch. Scène de ménage sur M6. Dans un instant sur M6. Vous demandez de réaliser un dessert à base de poisson. De fruits. J'ai envie de relever le défi, vraiment. Je vais faire un fruit poché dans un sirop, mais le fruit, ça va être le bar. On dirait une salade de fruits, un peu. Et c'est du poisson. Top Chef, à suivre. Tout de suite sur M6, retrouvez Body of Proof avec Megan Hunt. L'émission la plus folle de la télévision revient pour une nouvelle saison. Dans les prochaines semaines, nos équipes vont sillonner la France à la recherche de nouveaux talents. Alors, quelle que soit votre prestation, votre âge ou votre métier, venez montrer que la France a un incroyable talent. Inscrivez-vous dès maintenant sur m6.fr. Vous êtes un restaurateur en difficulté? Vous avez besoin d'aide pour redresser votre établissement? Vous souhaitez participer à l'émission Cauchemar en cuisine? Contactez-nous vite au 3606 ou sur m6.fr. Ce soir, c'est dans le port de Cherbourg que les candidats de Top Chef vont devoir cuisiner un menu 100% poisson dégusté par les pêcheurs eux-mêmes. Allez, on y va ! Mais dans la composition du menu, une surprise de taille les attend. Je vais vous demander de réaliser un dessert à base de poisson. J'ai envie de relever le défi, vraiment. Je vais faire un fruit poché dans un sirop, mais le fruit, ça va être le bar. On dirait une salade de fruits, un peu. Et c'est du poisson. Pourquoi pas utiliser la Saint-Jacques pour les desserts? Qui va parvenir à séduire les professionnels de la mer? Surprenant. Grande découverte. Top Chef largue les amarres, ce soir, à 20h50 sur M6. Pour chasser les fantômes de leur maison, retrouver leur amour de jeunesse ou se faire désenvoûter, ils ont choisi le paranormal. Quand je suis ici, je sens un poids sur la poitrine et je suis mal à l'aise. Là, apparemment, il y a des objets chargés ici. Il y a le nom d'une ville qui me vient là. Comme ça, c'est Angoulême. C'est de la folie, quoi. Je vais retrouver l'or. Fuyez, mauvais esprit. Allez-vous-en! Voyance, leur dernier espoir, demain à 23h30 sur M6.
inédit mercredi sur M6. Elles ont à peine 16 ans et ont vu leur vie basculer lorsqu'elles sont tombées enceintes. Voilà, les amours. Nouvelle responsabilité. Mais tu regardes comment tu lui as serré le ventre. Nouveau devoir. Quoi ? Je fais du biberon, je stérilise, je mets des machines. Ma vie, c'est que ça, maman. Un événement qui bouscule toute une famille. Si on sait sortir, on sait se lever. Ils sont pas matures, hein. Comment faire face à cette nouvelle vie ? Tu sais que ton père et moi, on te lâchera pas. Ma petite fille, ma belle petite fille. C'est vraiment des parents exceptionnels. 16 ans et bientôt maman, une série documentaire inédite, mercredi à 20h50 sur M6. Jeudi 12 avril à 20h50 sur M6.